Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Project Live de ma mini, qui est, non, pardon, de ma micro, qui est le dernier Project Live de l'année 2020. Donc, je clôture cette partie-là. Du Project Live, j'en ferai encore parce que j'ai encore des albums à faire des années antérieures. Donc, je sais que j'en ferai maintenant. Je sais que pour 2021, je passe à autre chose pour pouvoir un peu diversifier ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, j'étais contente d'avoir clôturé au final en beauté toute cette année de Project Live, donc sur 12 mois pour au final 3 albums différents. Donc ça me prend quand même quelques mois, quelques pages de Project Live en soi. Mais voilà, après je suis contente de l'avoir fait et je suis contente d'avoir fini au final mon année. Pour les 3 albums, ils sont finis, ils sont rangés pour aller dans la future bibliothèque qui arrivera quand on aura fini, enfin quand on aura commencé ne serait-ce que les travaux en haut. Donc voilà. Alors, donc ici, je suis partie sur du papier, donc de chez Action, les petits blocs de Papercraft, comme vous m'avez vu faire pour les deux autres Project Live au final. Et les quelques dernières vidéos au final que je vous ai présentées sur la chaîne, ce n'était presque que ces blocs-là. Et donc voilà, donc pas beaucoup de photos non plus au mois de décembre pour ma micro. Beaucoup de photos de Noël que j'ai été rechercher. J'avais fait une ou deux pages de scrap par rapport à ça. Donc voilà, j'avais pas énormément de choses à faire. Et je pense que pour l'année à venir, il n'y aura pas énormément de photos au niveau des mois pour mes filles. Tout simplement parce que je fais déjà l'album de la famille. Donc je pense que je reprendrai plus les photos à cet endroit-là. Enfin, je sais pas, je peux changer peut-être d'avis au cours de temps, mais je verrai un petit peu. Donc j'ai utilisé quelques papiers, il me reste encore pas mal de ce kit là aussi, mais voilà, je trouve qu'il est super beau, bleuté comme ça, ça donnait super bien, et le petit pingouin, je l'adore quoi, il est vraiment trop trop joli. Donc bah voilà, si vous l'avez et que vous ne savez pas quoi faire, franchement lancez-vous avec, vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui peuvent venir. Plus tard dans l'année, je vais vous proposer aussi un mini album par rapport à ces sets de Papercraft là. J'aime encore bien, franchement ils sont super chouettes à utiliser au niveau de la composition en soi. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec. Donc ici, bah, comme à chaque fois, bah, je mate les petits textes ou souvent les textes par du papier de couleur. Vous voyez que les formats de mes photos ne sont pas toujours les mêmes. En fonction d'eux, j'ai coupé plus court, plus grand, comme à chaque fois, en fait, comme ces 12 derniers mois. J'ai l'impression que je me suis répété tout le temps sur les 12 derniers mois. Bah voilà, maintenant, pour ceux qui prennent en cours, évidemment, vous n'avez peut-être pas forcément tout entendu. D'ailleurs, je voulais juste vous remercier tous parce qu'on a passé un cap, on a passé le cap des 300 abonnés et je suis super, super, super contente. Je suis aux anges au final. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose 300 abonnés, mais pour moi, ça fait énormément. Donc voilà, je vous remercie tous, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Je vous dis à tous la bienvenue sur ma chaîne. Et moi, je vous dis déjà à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous dis ciao, ciao!